Bienvenue à Metz. Alors on va rayonner autour de cette ville. C'est la capitale de la Lorraine, c'est aussi la préfecture de la Moselle, mais c'est surtout une ville qui est un petit peu encombrée par les clichés, pour être franche. Les hauts fourneaux, les paysages miniers, les paysages industriels. Alors c'est une vérité, ou plutôt c'était une vérité, mais Metz c'est surtout une ville trois fois millénaire. Et c'est également une place forte à la position stratégique entre les deux géants qui se la sont toujours disputés, l'Allemagne et la France. Une culture doublement influencée, comme l'illustre d'ailleurs le Temple Neuf, qui est installé sur la Moselle, où nous nous trouvons, et un petit peu plus loin, la célèbre cathédrale Saint-Étienne. Voilà, double influence, on va le retrouver tout au long de notre voyage, et vous verrez qu'ici, on sait ce que c'est que la bonne chère, faut dire qu'il faut réchauffer les corps et les cœurs. Allez, en route! Metz, dite aussi la ville lumière, a su attirer les plus grands artistes, notamment Chagall, qui a orné la cathédrale Saint-Étienne, surnommée la lanterne du bon Dieu, de vitraux éclatants, au total 6500 m², uniques en France. La préfecture de la Moselle continue de faire parler d'elle, avec le renouveau culturel apporté notamment par le centre Georges Pompidou, ouvert au public en 2010. L'abondance, la qualité et la diversité des chefs-d'œuvre que compte le territoire urbain de Metz, comme en témoigne sa gare ou encore son château d'eau, mérite le détour. La ville peut d'ailleurs prétendre au classement à l'UNESCO. C'est joli, ça. Il paraît d'ailleurs que l'espace protégé, classé, à Metz est plus important que celui de Bordeaux. Comme quoi, la ville recèle des trésors. De la ferme Lorraine, qui paradoxalement est en plein centre de Metz. Mais la boutique mérite bien son nom parce que Guillaume, qui en est à l'initiative, a décidé de proposer des produits fermiers, des produits locaux, en plein centre-ville. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie. Alors, comment bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Super. Enfin, et toi, on peut se tutoyer d'ailleurs. Si tu veux. Alors raconte-moi un peu l'histoire de cette aventure parce que c'est original. Toi, tu es... petit-fils d'agriculteur, fils d'agriculteur. Alors, aussi pire que ça, ah bon, fils et petit-fils d'agriculteur des deux côtés. Ah bon? Voilà. Oula, là, t'es vraiment né dans la marmite, Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans la paille. Voilà, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à ouvrir cette boutique? Alors, au départ, c'était sept agriculteurs, il y a un peu plus de 27 ans, donc qui ont décidé de développer un petit peu l'agriculture locale en vendant leurs produits puis les produits des autres agriculteurs, dont mes parents, avec ça, qui je me suis associé aujourd'hui. Donc, le magasin, au départ, il a permis à l'agriculteur de faire sa facture. C'est lui qui établit son prix, on lui impose rien, si vous voulez. Je comprends. Donc, c'était vraiment, à la base, c'est ça, c'est faire vraiment vivre l'agriculteur. Et de raconter leur métier aussi, voilà, de transmettre. Et puis, c'est bien, quand les gens viennent au magasin, il y a des livraisons. On peut parler des produits plus facilement. Il y a des livraisons tous les jours, les gens croisent les agriculteurs qui viennent livrer, ils leur posent des questions, ils savent vraiment comment c'est fait, d'où ça vient. Oui, bien sûr. Et alors, attends, je regarde. Ça, c'est le fameux pâté lorrain, c'est ça? Alors, le fameux pâté lorrain, voilà. Ça, c'est un incontournable de la région. Ah oui, tout à fait. Je vais apprendre à en faire. On ne peut pas passer par la Lorraine sans parler de pâté lorrain.
Avec ses sabots. Avec ses sabots. Fallait la faire. Alors moi, j'étais venue pour Romaine, qui va cuisiner une tourte Lorraine. Bien. Et justement, et alors elle m'a demandé de l'échine de porc et de la noix de veau. Ouais, c'est bien. À peu près 400 grammes d'échine et 200 grammes de noix de veau. Ouais, c'est bien. Allez, bah écoute, voilà, je vais prendre ça. Alors, de l'échine. Ah, tu proposes aussi des légumes? Oui, tout à fait. C'est l'occasion pour moi de faire quelques achats supplémentaires et personnels de bons légumes frais qui viendront égayer ma cuisine parisienne. Des panais. Et puis tu me mettras un petit cuisseau de cochon de lait, ça c'est pour moi. Volontiers, et je te donnerai même ma petite recette. C'est quoi ta petite recette, ça m'intéresse? Alors, ça va se cuisiner au four. Ouais. 140 degrés pendant 2h30. D'accord. Une fois les 2h30 écoulées, tu prépares une petite migaine avec de l'huile d'olive, du miel, quelques aromates, du sel, du poivre. Ouais. Tu badigeonnes bien la couenne, donc la couenne au-dessus, hein, dans le four. Pour le laquer en fait. Voilà, ah, pour le caraméliser. Et après tu remets ton four à 250. Ah carrément, pour la dernière demi-heure. Pour qu'il braise, pour qu'il grille bien et pour que tu puisses tout manger. Comme un jambon. Oh là là, voilà. Ça doit être bon. Exactement. Ça. Oh, j'adore cette idée. Tiens, je vais faire ça à la maison. Je fais les courses pour la maison. Qu'est-ce que je te On est tout bon? Ouais, on est tout bon. Voilà, Julie. Merci de venir contribuer à l'effort agricole. Oui, c'est surtout local. Toi qui contribues. Salut, à bientôt. À bientôt, merci Julie. J'ai même eu droit au sac Drive Fermier, parce qu'en plus de tout ça, Guillaume a créé un drive pour aller chercher les produits en voiture. Pratique et malin. Prochaine étape, Am sous Varsberg. Alors, excusez-moi, il y en a certainement qui vont m'écrire pour me dire que je prononce pas bien les noms, mais bah, je suis pas d'ici. Hein. En tout cas, ça m'empêche pas d'y aller pour rencontrer Romaine. Elle nous attend pour faire une recette pour le coup éminemment locale, la tourte Lorraine, avec une farce de viande à l'intérieur. C'est très fin, très délicat. Alors, la tourte Lorraine, soit, avec plaisir, mais où est la quiche Lorraine? On m'a floué. On est en Lorraine et il n'y a pas de quiche Lorraine. Il va falloir que je creuse le sujet. I could never go with no one else. The hurt don't show, but who knows? Time will tell. I believe in nothing. But the pain that I can see is turning. Il n'y a pas de sonnerie, mais. Quand même pas rentrer comme ça, sans la permission de la patronne. Bon, pas de Romaine. Elle est peut-être dans le jardin d'ailleurs, je vais aller voir derrière. C'est effectivement au grand air, dans le potager, que je retrouve Romaine, affairée à cueillir un peu de verdure pour sa tourte. Bonjour Romaine. Ah, bonjour Julie. Je suis vraiment contente de te voir. Mais moi aussi. Ouais, je me suis dit que tu devais être au jardin. Voilà. Ah bah oui, regarde, je ramasse donc quelques poireaux pour faire la tourte. On en a besoin. Ah bah moi je t'ai apporté la viande. Hein, ah génial. Ce que tu m'avais demandé, oui. Le veau, l'échine de porc. Ouais. Et vous avez en plus de ça une serre. Oui, voilà. J'ai regardé, vous faites encore pousser des tomates, vous arrivez à prolonger la saison. Oui, on arrive à récolter une bonne cinquantaine de kilos de tomates, on fait la sauce tomate. En plus, j'ai marié un Italien, donc... Et en plus, tu t'appelles Romaine. Et je m'appelle Romaine. Mais quittons la fraîcheur mosellane pour en cuisine préparer notre emblème lorrain, dont on retrouve trace dès le Moyen-Âge dans le viandier de Taillevent. Voilà. Elle est bien jolie, ta cuisine. Bon, elle est un peu petite, mais bon. Oui, j'aime bien. Donc cette tourte Lorraine, c'est vraiment, on pourrait dire, la recette emblématique de la Lorraine. On va émincer un petit poireau. Je vais le faire. Donc je l'émince finement. Tu fais des tout petits morceaux. Tout petits morceaux. Tout petits morceaux. D'accord. Ouais. Et tu vas pouvoir mettre ça là-dedans. Hop, ben. Voilà. Le poireau du jardin. Ensuite. La carotte. Et alors toi, tu cuisines régulièrement, ça fait partie de tes passions. Tous les jours, je passe des heures. Ah bon? J'adore. D'ailleurs, dans ma cuisine, je ne vois pas le temps passer, quoi, tellement je suis passionnée. T'es dans ta bulle. Ouais, tout à fait. Comment je te coupe ça? Eh bien, écoute, je veux des petits carrés, donc tu me les fais. Ah, des petits carrés. Tu me les D'accord. Comme ça? Ouais, c'est bien. Ouais, vas-y.
Les légumes, dont les échalotes finement émincées, l'oignon piqué d'un clou de girofle et l'ail écrasé sont mélangés à un vin blanc sec pour servir de base à la marinade de notre viande. On va mettre deux bons verres. Alors, deux verres, bon, ouais, on va allez, tout mettre. Tu vas tout mettre, allez, voilà, c'est bon, on y va. Pas allez. De chichi. Exactement. Ensuite. Quelques feuilles de laurier et un peu de thym viennent en rehausser le goût. Alors moi, il me semble avoir goûté un pâté lorrain, paradoxalement en Alsace. Oui. Mais quelle est la différence? C'est tout le même principe, la seule différence que dans la tourte lorraine, on y rajoute de la migaine. La migaine, c'est ce mélange d'œufs et de lait. D'œufs et de crème. Et de crème, voilà. D'accord. Salé, poivré, qu'on comme rajoute. Comme un appareil à quiche un peu. Oui, qu'on rajoute donc à la fin de la cuisson. À la fin de la cuisson, un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Parce que bon, c'est œufs et crème. Oh, ça doit être terrible ça. Oh, ça doit être terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bon, alors, donc écoute, on va prendre la viande. Le veau, on va le passer au hachoir. Eh ben alors, ouais, allons-y. Ouais. Le veau au hachoir. Allez, on y va. Ça m'arrange. Alors, attends. Ouais. Hop, et c'est parti. Et voilà. C'est bon, Julie? Ouais. Ça réussit, tu vois. C'est bon. C'est quand même plus rapide. C'est plus simple, hein. C'est plus simple. En voilà. Même temps, si j'ai bien compris, il va falloir couper le porc en petits dés. On va le couper. C'est ça. Ah, faut bosser chez toi. Ah, bah oui, hein. Allez, je suis pas venue pour rien. Hein. Normalement, c'est moitié porc, moitié veau. C'est la recette. Moi, ah, je mets toujours plus de porc que de veau. Pour que ce soit un peu plus ouais, gras, donc un oui, peu voilà, plus onctueux. Le, porc, c'est le veau, c'est peut-être un peu plus sec aussi. Bien sûr. Ouais. Hop. Voilà, hop, là. Super. Donc je vais mettre du sel. Hein. Là, il y a 10 grammes de sel et puis il y a 600 grammes de viande. D'accord. Ouais. Alors, là, c'est, je rajoute encore de la livèche un petit peu dedans. Voilà. Mais tu peux poivrer, Julie, vas-y, mm-hmm, tu peux y aller. Ouais. Et on laisse ça macérer et toute la nuit. 24 heures. Et tu en as fait d'avance ou pas? Bah oui. Ah bon, ça m'arrange. Bon, on va quand même la mettre, comme ça nous fera celle du banquet. Alors, et voilà, c'est ça ta marinade? Exactement. Parfait, quelle organisation! Ok, donc on va s'occuper de la pâte. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est toi qui l'as faite. Oui, exactement. Romaine, qui a plus d'un tour dans son sac, a préparé en amont et laissé reposer deux pâtes feuilletées, le fond et le couvercle de sa tourte. Alors, je te laisse le faire? Oui. Donc, je vais sortir mon moule pour voir un petit peu si je suis au niveau de la dimension, si ça colle. Ah, c'est nickel, là. Ouais. Alors, pendant ce temps-là, je vais goûter la viande, c'est ce oui, que tu voulais faire? Voilà, exactement. Pour éviter à la préparation de détremper la pâte, une autre astuce de Romaine, égoutter la farce dans un torchon. C'est pour ça qu'il faut, venir. Il faut faire la cuisine avec ceux qui savent. Ben oui. Allez, hop là. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, et dans l'évier, c'est bon. Les petites branches. Ça a l'air très bon. Comme ça, c'est bien? Super. Je saupoudre un tout petit peu de farine dessus. D'accord. Ça permet juste pour à ce éviter que la pâte elle ne collera pas à la farce. Et donc, ce sera plus simple pour incorporer la migaine, tu vois. Il y a de l'expérience, hein. La pâte inférieure est froncée, puis humidifiée, permettant au couvercle d'adhérer. Super. Alors, on y va, on vas-y, vas-y, vas-y. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cheminée. La cheminée, ouais. D'accord. C'est pour permettre à la vapeur de s'échapper. Exactement. Les deux pâtes sont chiquetées, l'esthétique collerette posée, consolidant ainsi la cheminée. Et c'est parti pour la décoration. Je vais faire des petites feuilles aussi. Ah oui, il faut donner un côté automnal un oui, peu, c'est ça. Voilà. Magnifique. Alors on maintenant, on dort. Alors, est-ce que tu dors avec un jaune et du lait, un jaune et de l'eau, un jaune et du blanc? Moi, j'utilise que le jaune. C'est vrai qu'il y en a seulement. Pourtant, il y en avait des options. Hein. Non, mais... Eh bien, c'est très bien. La tourte peut alors être enfournée à 180, à chaleur tournante, pendant une bonne heure. Mais avant cela, encore un petit truc que Romaine tient à me dévoiler. J'utilise la petite douille de poche à douille. Ah, mais alors pourquoi la laisses-tu? Ça ne suffit pas l'ouverture? Parce que mais sinon, écoute, ça se referme. Je préfère parce que j'ai déjà essayé sans et de temps en temps, ça se referme et puis ça ressort un petit peu. Et c'est plus et pratique pour verser la migaine, et pareil. Tout à fait, et puis ça évite parce que ça mouille, il n'a pas de je comprends. Oh là 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 là. Il y en a des idées. Bon, eh ben on va noter la recette. Pour cuisiner une tourte lorraine comme Romaine, et pas l'inverse, il nous faudra 500 g de pâte feuilletée, 400 g d'échine de porc et 200 g de noix de veau ou d'épaule. Pour la marinade, nous mélangerons un demi-poireau, une carotte, 3 gousses d'ail, 2 échalotes, quelques branches de céleri, un oignon piqué d'un clou de girofle, 40 cl de vin blanc sec, type Riesling, quelques feuilles de laurier, de l'ivèche et de thym. N'oubliez pas 2 œufs et un peu de crème liquide.
appétit. Merci, bon, de m'avoir offert cette petite salade aussi. Merveilleuse tourte Lorraine. Mais assez salivée, passons à table. Et c'est avec une petite salade verte que Romaine aime accompagner sa tourte. C'est bien relevé, bien épicé. Et en même temps, on sent le goût de chaque ingrédient. Très bon. Tu vois les morceaux de viande? De viande et puis aussi de légumes, de carottes. Je sais pas si tu vois, il y a la finement émincé. Et alors effectivement, la pâte n'a pas accroché grâce à ta petite astuce de farine. T'as vu? Et alors dis-moi, la farce qu'on a préparée, qu'on a mise au frais pour reposer toute cette nuit, ça va devenir une tourte Lorraine? Oui, bien sûr. Tu pourrais éventuellement la porter au banquet. Avec plaisir, pas de soucis. La gourmandise était au rendez-vous et c'est requinqué que je file à la rencontre d'un artisan dont on connaît si peu le métier. Alors on reste à l'est de Metz, pas facile à prononcer, et ça continue puisque nous allons à Marange-Dondrange. On va plus précisément à l'église rencontrer un facteur d'orgue. Le facteur d'orgue, c'est celui qui entretient, voire qui construit l'orgue. Et il est justement en train de travailler sur l'orgue de l'église. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a toujours fasciné les orgues. La Moselle est le second département français après le Bas-Rhin à posséder le plus grand nombre d'orgues avec plus de 500 instruments. On retrouve traces de leur fabrication dès le XVIe siècle, notamment celui de la cathédrale Saint-Étienne de Metz qui date de 1537. Aujourd'hui, 5 facteurs d'orgue mosellans continuent à maintenir ce savoir-faire. Ah mais vous n'êtes pas tout seul. Bonjour Julie. Bonjour Freddy. Ça va? C'est vous que j'ai aperçu sur votre balcon. C'est moi, oui. Et bonjour à vous, vous êtes l'organiste. C'est Frédéric Mayer. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour Frédéric, c'était magnifique ce morceau. Et alors là, pardon, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Là, c'est bonjour Victor Julie. Manjol. Bonjour Victor. Qui travaille avec moi. Alors, parce que moi, j'ai compris ce que c'était qu'un organiste. Ça, c'est pas très difficile. C'est le musicien. Mais le facteur d'orgue, vous, vous êtes facteur d'orgue. On est facteur d'orgue, Victor tous et les moi. Deux. Tous les deux, oui. Ça consiste en quoi? Ah, ça consiste à la fabrication de l'orgue. Simplement. Ah, et son entretien. Son entretien et aussi sa restauration. D'accord. Parce qu'on a oui, parce que ce sont des objets très anciens. Celui-ci, par exemple, il date de quelle époque? Il date de 1867. Alors, racontez-moi, comment s'est construit un orgue, en fait? Alors, un orgue, c'est une multitude de tuyaux. Comme celui-ci? Comme celui que Victor est en train de fabriquer. En quel matériau? Alors, c'est un alliage d'étain et de plomb. D'accord. Il y a énormément de tuyaux dans cet orgue, il y a plus de 1000 tuyaux, en fait. Et plus il y a de tuyaux, plus le son est délicat, qu'en dit le musicien? Le musicien dit que plus le nombre de tuyaux est conséquent, et plus la sonorité de l'orgue va être puissante. Mais également, plus on aura la possibilité de faire des sonorités différenciées, donc des détails, plusieurs instruments. Comme un orchestre, finalement. Hein. Plus on a d'instrumentistes et plus il y a de richesse sonore. Ça démultiplie le son? Oui, tout à fait. Et ensuite, votre travail consiste en quoi? Alors, accorder les tuyaux, ça existe comme alors, un piano? Accorder, mais avant de les accorder, en fait, il faut les harmoniser. Parce que quand on a fini de fabriquer un tuyau, il peut parler, par exemple, trop fort, il peut mal attaquer. Ah, vous dites qu'il parle? Il parle, oui. Ah, en fait, un tuyau parle, oui. Et nous, notre métier, jargon, finalement, oui, en fait, c'est de les faire parler juste. Mais finalement, votre métier, il est extrêmement multiple. Parce que vous êtes, pardon de vous le dire, vous êtes dans la tuyauterie. Voilà. Et en même temps, vous êtes musicien. Et en même temps, vous êtes un peu ingénieur. Faut savoir tout faire. Alors moi, je voudrais comprendre comment ça fonctionne côté instrument. Alors vous avez de la subasse, de la flûte, du violon, de la trompette du plein jeu, de la doublette. Et vous êtes un orchestre à vous tout seul, hein? Presque. Ici, un petit orchestre. Chaque jeu, en fait, chaque rangée de tuyaux a une sonorité particulière. Et elle est appelée par ce que l'on appelle un tirant de registre. Tirant de registre parce qu'on le tire. Tout simplement. Ça veut dire qu'à partir du moment où on l'a tiré, on va jouer de cet instrument. Exactement. Enfin, là, en tout cas, le son sera semblable à celui-là. Exactement. Là, j'ai tiré, par exemple, le bourdon d'huître. Alors, il est en rouge, ici. Le bourdon quoi?
le bourdon de 8. On écoute un peu ? Si vous voulez. M'arrête. Parce qu'on a un petit problème là, Freddy. Il va falloir que je te demande quelque chose. Entendu. Je l'ai remarqué en démarrant, on a une petite note fausse. Une note qui est fausse. On a une corne de brume. Oui. Voilà, une corne de brume. Alors belle, ça arrive parfois. Et alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites alors là? Vous allez chercher le tuyau? Alors je cherche le tuyau. En fait, j'ai entendu, c'est le si bémol. C'est ça, c'est le premier si bémol là, qu'on a appuyé, voilà. Alors en fait, c'est dans la trompette. C'est dans la trompette. La trompette, c'est le jeu qu'on voit ici. Voilà. Alors, c'est vraiment fascinant, cette installation. C'est une forêt. Et si tu veux, tu peux essayer de l'accorder. À tes risques et périls. Je monte avec toi? Tu peux monter dessus, oui. Hop là. Je prends ça. Faut que tu et je me mets en dessous. Avec le côté tranchant avec ou avec le côté tranchant. Il faut que tu frappes sur le petit... D'accord. Frédéric, tu me donnes le si bémol? Parfait. Eh ben, alors je vais me désorganiser. Ah, c'était chouette d'être là-dedans. Ah oui, c'est ça fou. N'arrive pas à tout le monde. Hein. Non, je peux te dire que j'ai conscience du privilège, vraiment. Bah, merci messieurs, merci Frédéric, je vous embrasse. Merci à vous. Merci Freddy. Merci Julie. Mais Freddy ne s'est pas contenté de m'ouvrir les portes de sa tribune d'orgue. Il m'offre une douceur bien d'ici, les macarons de boulet. C'est gentil ça, c'est joli en plus. Et Boulet, c'est un village. C'est un village qui n'est pas très loin d'ici, voilà. Ouais, je vais peut-être aller leur rendre visite pour savoir comment ils les fabriquent d'ailleurs. Peut-être. Parce qu'il n'y a pas une spécialité de la région qui va m'échapper. Merci, salut Victor. Merci, nos facteurs d'orgue et organistes nous feront le plaisir de nous rejoindre pour notre repas de fin de voyage. En attendant, je reprends le volant en direction du fief de cette gourmandise aux amandes. Parce qu'ils sont bien moelleux. On sent bien le goût d'amande. Ils me rappellent un peu les macarons de Montmorillon, pour ceux qui connaissent, du côté de la Charente. Oh, c'est délicieux. On va aller les voir, tiens. À Boulet. En plus, c'est une maison qui a plus de 150 ans. Ouh, 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 ouh. Boulet fait partie de la grande famille des macarons arrivés en France avec les pâtissiers de Catherine de Médicis au XVIe siècle. C'est un certain Binès Lazare qui est à l'origine de cette version lorraine en 1854 et qui a veillé à transmettre ses secrets de fabrication à ses enfants. La famille Alexandre a acheté en 1963 cette fabrique de douceur et son tour de main bien spécifique. Aujourd'hui, c'est Jacques Alexandre qui est aux commandes. Je suis macaronnier, je ne suis pas pâtissier, je n'ai pas le talent d'un pâtissier ni la créativité d'un pâtissier, mais j'ai un savoir-faire ancestral qu'on m'a transmis et que j'essaye de respecter et d'être fidèle à cette recette-là, quoi. Pas tricher. Chaque jour, la même attention est portée aux matières premières. Les amandes entières sont émondées, blanchies, puis broyées avec du sucre et des blancs d'œufs pour obtenir une onctueuse pâte d'amandes. Les macarons sont ensuite dressés à la cuillère, intensifiant ainsi leur moelleux. À peine sortis du four, on peut les retrouver dans la boutique aux allures de salle à manger. On n'a pas l'impression d'être dans une boutique chez moi. Non. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui partent qui oublient de payer. Parce qu'on a voulu, pas l'authenticité pour la poudre aux yeux, mais l'authenticité parce que c'est un produit authentique qu'on essaye de présenter dans une maison authentique, quoi. À présent, on va rendre visite à Paulette. Paulette, elle cuisine une spécialité qu'on trouve un peu partout en France, mais qui est particulièrement populaire ici, le fromage de tête. Une sorte de terrine en gelée à base de tête de porc. Bon, dit comme ça, ça ne fait pas forcément rêver. Et en même temps, je crois que je n'ai jamais vraiment goûté. Donc ce sera l'occasion, surtout avec une experte qui, de surcroît, a à cœur de transmettre ses recettes à ses enfants, à ses filles et petites filles, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire.
Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour les filles. Vous allez bien? Je rentre toute seule? Oui, maman va t'ouvrir. Elle t'attend. Ah bon, d'accord. Bonjour Paulette. Bonjour Julie. Comment ça va? Ça va très bien. Vous m'accueillez avec le soleil. Soyez la bienvenue chez nous. C'est gentil. Ben, on m'a déjà souhaité la bienvenue au-dessus. Au-dessus, voilà. Et c'est vraiment une maison traditionnelle alors. Oui, hein, maison Lorraine. Maison Lorraine, d'accord. Alors, c'est la fille, c'est voilà. Ça. Laurence. Laurence, bonjour Laurence. Et ma petite fille. Et Marie-Annick. Marie-Annick, d'accord. Mm-hmm. Eh bien, c'est gentil de me recevoir. Alors, avec plaisir. Avec plaisir. Votre maman et grand-mère m'a dit que vous cuisiniez en famille ici. Oui, oui. Chacune élabore ses petites recettes et à la fin, on met tout en commun. Plus les desserts modernes, comme c'est on dit, déstructurés en verrine. Oula. Moi, je suis traditionnelle. Et moderne. Ouais. Et maman, toi, tu es la transition, ouais, finalement. Ouais, voilà. Et maman reste plutôt traditionnelle. Voilà. Traditionnelle, d'où le fromage mais... de tête. Voilà. Oui. Je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que j'en ai jamais goûté. Et non, parce que l'idée du fromage de tête n'était pas forcément agréable. Mais oui. Je suis sûre que vous allez me faire changer d'avis. Alors, Julie, voilà. Alors. Je vais te montrer ce que j'ai fait hier soir. Oula. J'ai mis trempé la tête de porc. Je d'accord, vais tout maintenant. Entière. La moitié d'une. D'accord. Parce que ça fait trop. Donc là, tu l'as fait pieds. Tremper dans quoi? Dans de l'eau salée et du vinaigre. Ah, un peu saumuré, quoi. Oui. Et ça parce sert à quoi? Parce que ça fait partir le sang. D'accord. Tu vois, la tête, elle est propre. Elle est toute blanche. D'accord. Tu vois? Je suis contente que tu n'aies pas mis l'œil, tu sais quoi? Oh non. Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me touche. La demi-tête de cochon est mise à cuire à l'eau froide avec un beau morceau d'échine et 3 pieds de porc. C'est ça qui donne oui, la gelée. Oui, parce que le hein. porc contient une gelée naturelle. Voilà. Voilà. T'as raison. Surtout que ce n'est pas des morceaux oui. chers. Oui. Alors là, je t'ai avancé parce que je t'ai vu pleurer à la télé. Pour aromatiser l'eau de cuisson, nous ajoutons notre oignon piqué de clous de girofle, de l'échalote, un poireau, des carottes, du persil, du laurier, de la sauge, de l'ail et 2 cubes de bouillon. Voilà. C'est quoi? C'est du bœuf? C'est un bœuf et un poulet. Ah, c'est important. Oui. J'aime bien ces petits détails dont oui. on se dit, bon, c'est anecdotique. En fait, non. Oui. Il faut s'y tenir. C'est un bœuf. Un bœuf, un poulet. Poulet. Alors, pour le bon déroulement de la recette, j'ai une question. Est-ce que tu mets du pain d'épices dans ta recette? Non. 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 Donc, je peux le manger? Oui. D'accord, ça parce que trop depuis sucré. Tout à l'heure, il me tourne la main. Voilà. Mais mange pas trop de pain d'épices, parce que le fromage de tête, c'est meilleur. Mais l'un peut aller avec l'autre. Moi, je ne pèse rien. Oh, moi, je me doute. Alors, à la main. Une bonne poignée de sel. À la mano. Et encore une fois, une petite. On met ça sur le gaz. On les tournait ça pendant 2h30. D'accord. Voilà. Pendant que nous laissons cuire à gros bouillon, pas de temps perdu, nous nous offrons une pause gourmande au grand air. Et alors ici, on est en ville. Au calme, tranquille. On a du bon vin. Visiblement, vous bons schnapps. Vous êtes bien dans la région. Donc, papa distillé lui-même. Ah oui, oui, oui. Papa donc loué l'alambic dans un petit local, dans le village où il fallait s'inscrire, et distillé lui-même. Et ça, vous appelez ça le schnapps? Le schnapps. Ouais. Mais quelle que soit le schnapps, l'origine le de cette eau de vie. Voilà, oui. D'accord. Le schnapps. La viande fin prête à être transformée et équipée de tabliers, nous pouvons nous attaquer au fastidieux travail de désossage à 8 mains, quel luxe! Paulette et moi, nous nous occupons de la tête pendant que les filles gèrent les chines et les pieds. C'est un morceau qui est cher parce que j'en ai jamais acheté chez le charcutier. Par rapport à l'échine ou à la côte? Non. Non? Non. Donc finalement, c'est un plat qui est long à faire, qui demande un savoir-faire mais qui est assez bon marché. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Est-ce que tu veux mettre les dents? Si on arrive à les tourner, ça peut donner du croquant, oui. Dedans. Moi, on m'a dit tout est bon dans le cochon. Allez. Voilà, maintenant, on va passer ça. Alors, Julie, ah, attention donc, tu as doigts. Le hachoir manuel? Oui. Ah. Ça fait 35 ans que je l'ai. Attention les doigts. Hein. Attention les doigts, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que là aussi, il faut l'expérience. Oh, ben, ça y est. Ouais, c'est pas mal. Regarde, on a fini. Voilà. Dame Paulette, on va hop. Mettre ça là-dedans. Oui. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le fasse rissoler on sur va le feu? Oui, on va le mettre sur le gaz. Nous ajoutons la viande coupée en morceaux et rapidement mouillons généreusement avec le jus de cuisson. Et c'est ça qui va donner la gelée. Et du vin blanc sec, environ 20 centilitres. Et tu mets du vin d'Alsace? Ben oui. Tu mets pas du vin de Moselle? Non, pour le manger. Oui. Non. Accompagné pour le manger. Ah, pour le boire, tu veux dire. Là, il va être cuit. Le vin d'Alsace, vous le mettez pour la cuisson, pour la et le vin de Moselle, vous voilà. le gardez pour la table. Oui.
Nous portons à ébullition et stoppons alors pour ajuster l'assaisonnement et parfumer le tout avec du persil. Il est temps désormais de mouler nos fromages de tête. Alors attends, je n'ai pas suivi. Tu mets pas ça dans une terrine? Tu mets ça dans des bols? Dans des bols, oui. Comme une soupe? Oui. Oui. Mais ça se mange froid? Oui, mais après, on la renverse. Ah, et ça va et faire comme une sorte de dôme? Oui. D'accord. Oui. Tu veux que je le fasse? Oui, si tu veux. Non, mais c'est bien, c'est sympa, je trouve. Oui. Maintenant, on va le laisser refroidir. Oui, une nuit à peu près. Au bout d'une nuit, c'est demain, bon. Demain, on va le manger. Et il se garde 8 jours. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Moi, je voudrais noter cette recette. Pour réaliser des fromages de tête comme Paulette, nous devrons mettre la main sur une demi-tête de porc avec oreille et bajoux, 3 pieds et 1 kg d'échine de porc, 2 poignées et demie de gros sel, 2 blancs de poireaux, 4 belles carottes, 3 échalotes, 2 oignons piqués de clous de girofle, 4 gousses d'ail, du laurier, de la sauge, du thym, du persil, 2 cubes de bouillon et 25 cl de vin blanc sec. Mais pas besoin d'attendre une nuit entière, mes amis ont tout prévu et nous pouvons tout de suite honorer ce mélorin. Alors comment ça s'attaque cette chose-là? Ça a l'air délicieux. Ça se coupe en tranches. En tranches? Comme un pâté. Comme un pâté, d'accord. Voilà. Tu vois, quand c'est froid... Oh, ça a l'air magnifique. Là, je peux te dire qu'il y a un paquet de charcutiers qui sont devant leur télé, qui se disent... Voilà. Elle a mis la barre très très haut, Paulette. On ne voit pas toute cette gelée. Ah ouais, c'est magnifique, ça. Hein, on voit qu'il y a le bon équilibre entre la gelée, les morceaux de viande et puis les aromates. Ça sent bon, hein? Tu vois? Mmh. J'attendais un goût de tripe ou d'abat. J'aime pas les tripes. Et en fait, on a plus... C'est à mi-chemin un peu entre la gelée, donc le côté jambon persillé, oui, et le pâté de campagne, le voilà. Bon pâté de campagne. Et on ressent le vin blanc, oui. On ressent les épices. Très légèrement. Voilà, oui, c'est très pas trop mais salé. C'est ce qu'il faut. Là, j'ai une dent. Il faut que... Non, c'est pas vrai. Non, tu as un petit cartilage. Ah, mais ça, charrie. Si ça passe à la machine... Ouais. Oui, les dents, elles ont été moulinées, il n'y a pas de problème. C'est peut-être un œil alors. Paulette, c'est excellent. C'est bon? Excellent. Voilà, Julie, bah, comme tout bon repas en Moselle, je te propose de terminer par un petit schnapps de Mirabelle. Donc, le fameux schnapps maison. Fameux schnapps. Stylé par ton papa. Voilà. Alors écoute, j'accepte volontiers, mais j'accepte demain, si c'est possible. Pas de problème. Parce que là, je vais prendre la route et comme ça, on pourra le boire tous ensemble pour le banquet. D'accord. C'était bien chez Paulette, on y retournera pour ne pas l'oublier, Paulette. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette. Sur les conseils de Paulette, ce matin, on va se rendre à Volmerange-les-Boulets, dans la région d'ailleurs où on fait les macarons, pour rendre visite à un distillateur, qui s'appelle Gérard, qui va nous expliquer à quel point la distillation accompagne le quotidien des Mosellans. Allez hop! C'est le dernier! Non, ouais, c'est le dernier, l'autre est là-bas. Ah, bah. Hop, on y va. Allez, Eugène. On y va. Bonjour, Gérard. Salut, Gérard. Tout va bien? Gérard, enseignant à la retraite et actuel maire de Volmerange, est à l'origine avec une poignée de copains d'un local à distillation. Allez, viens, viens, viens. Un espace communal et communautaire. Chaque membre, il y en a environ 400, hein, viennent faire leurs produits. Que chacun puisse distiller sa petite récolte pour avoir son petit alcool personnel. La Moselle, tout comme l'Alsace, bénéficie encore aujourd'hui de certaines lois françaises datant d'avant 1870, maintenues par l'administration allemande, offrant le droit aux villageois de distiller sans être professionnel. Chacun de nous est quasiment un bouilleur de cru. Bouilleur de cru. L'eau de vie de Mirabelle que l'on y confectionne est une spécialité messine classée dès 1933 par Kurnonski dans son répertoire des spécialités régionales, le trésor gastronomique de France, mais inscrit depuis bien plus longtemps dans les traditions locales. L'avantage, c'est que
Bah, il n'y a rien à faire, hein, ça va tout seul. Hein. Vous mettez vos fruits dans le tonneau, puis hop, ça roule. Hein. L'alambic en cuivre, alimenté d'un feu de bois, va transformer les mirabelles qui auront fermenté quelques mois durant. Une première chauffe permet de récupérer une petite eau de mirabelle qui va être chauffée une seconde fois, raffinée pour séparer l'alcool du mou. L'alcool est à 75 degrés. Le taux d'alcool est ensuite réduit en ajoutant de l'eau. Alors l'eau de vie est enfin prête à être dégustée. Il faut en moyenne 100 kg de fruits pour 12 litres d'alcool. En attendant, nos bouilleurs de crue amateurs ne perdent pas le nord et continuent de faire honneur aux spécialités régionales dans la bonne humeur. Derrière, il y a la petite salle à manger, il y a des gens qui passent, on boit un coup, on discute, on casse la croûte. On passe une journée détente, quoi. Je laisse mes amis à leur labeur pour de nouvelles découvertes. Et maintenant, cap à l'est. On part pour Guertin, et qui est un petit village charmant, qui est d'ailleurs la capitale de la cerise noire, paraît-il. Quelque chose me dit qu'on doit y faire du kirsch. Je commence à comprendre comment ça marche dans la région. Et nous, on va rencontrer Nénette et Charles, qui sont mariés. Et Nénette va nous faire un dessert assez original, en tout cas pour moi, à base de nèfles. Alors, les nèfles, il me semble que c'est un fruit. Je dois avouer que je n'en ai jamais goûté. Et elle va nous faire une recette traditionnelle de nèfles meringuées. L'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. Bonjour Nénette. Bonjour Julie. Merci de m'accueillir. C'est moi, et puis il fait froid ce matin. Ouais, je suis pas contre le fait de me mettre au voilà. Chaud. J'avance tout droit vers oui, la cuisine. Tout droit vers oui, la c'est cuisine. C'est là que ça se passe. Vous êtes Charles. Bonjour Julie. Bonjour Charles. Bienvenue au pays du kirsch. Et on cuisine les nèfles. On cuisine voilà. Les nèfles. Oh, bah, ça, c'est pas moi. Je voulais faire celle qui sait de quoi elle parle, mais je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une nèfle. Une nèfle. Je sais que c'est un fruit, mais je dois avouer que si je devais faire un dessin, je saurais à peine donner sa forme. C'était le fruit d'après la guerre, tout le jeu, ah. Les gens aimaient bien manger les nèfles. Il y avait le topinambour pour les légumes et les nèfles pour les exactement fruits, c'est ça, voilà. Exactement. C'était le fruit qui remplaçait l'orange en hiver. Ah, parce que ça ne pousse que l'hiver. Voilà, ça mûrit. D'accord, ça mûrit l'hiver. Voilà. Ah, ça, je ne savais pas. Et c'est un feuillage magnifique, orangé, un beau vert foncé, rouge. Oui, on utilise c'est souvent super. Le bois de néflier. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais en Gascogne, du côté voilà. Du Gers. Vous l'avez vu, ils faisaient les bâtons voilà. Gascons avec le néflier. Avec le néflier, ah, oui. Tout à fait. On alors, ces nèfles, oui, c'est où sont-elles à la cuisine. Ah, ben les voilà, allez, justement, voilà. C'est ça. D'accord. Ça, et donc, celles-là, pardon sont mûres. Sont mûres. Oui, elles sont blettes. Ah, il faut qu'elles soient blettes, oui, vraiment, oui. Pour être consommables. Voilà, tout à fait. Ah oui, parce que là, elles sont toutes fripées. On les cueille non mûres et on les laisse mûrir on en dehors de la... On les mettait dans la paille à la cave pour mûrir. Oh, et on les mangeait comme ça, quand elles étaient blettes, on les épluchait à la main. Ouais. Et c'est une pâte, comme une pâte de fruits. Bah, écoute, là, du coup, je te suis, hein. Ouais. Je l'épluche. Hein. Il y a quatre noyaux dedans. En fait, il faut enlever juste la pâte, puis on récupère okay. Ça. On ne peut pas dire que ça sent de bonbon, hein, quand non, même. Non, goûte comme ça, tu verras, c'est pas... Parce que c'est pas gustatif. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, comme ils sont fermentés, c'est ça. Du coup, il y a une odeur d'alcool qui se dégage, une odeur de vinaigre. Un peu. Et dans le temps, on faisait aussi du schnapps avec, et de la confiture. Ah, c'est très vinaigré. C'est spécial. Alors, tu rajoutes beaucoup de sucre, j'imagine, non? Non, 3 cuillères de miel. Mais t'as prévu un dessert de secours ou pas, au cas où? Oui, oui, on a des œufs à la neige. Ah, bah ça va, ça me rassure. Ouais, alors ici, on appelle ça les culs de chien. Ça ressemble à un troufignon de chien. Ah oui, voilà. Bah, décidément, voilà. Il a tout pour plaire, ce nèfle. Voilà. Nous débutons la cuisson de la compotée de nèfle et ajoutons le miel. On va en mettre pas mal. Hein, d'autres ingrédients plus surprenants s'invitent dans cette compote. Un peu de gingembre en poudre et du vin rouge. Ah, t'as le tonneau carrément. Tu vas au fur. Alors, un petit verre de vin rouge. Alors, 10 minutes. Oui. Très bien. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va faire le blanc. On monte les blancs en neige? Voilà. Tu en as mis combien?
4. D'accord. Donc pas trop frais pour qu'ils montent bien. Hein. Pas qu'ils sortent du cul de la poule. Parce non, que non, non, non. Parce quand qu'on... ils ont quelques jours, ils montent mieux. Cul de la poule, cul de chien. On est bon là. C'est une recette interdite aux moins de 18 ans. Tout à fait. Là, ça a bien épaissi, hein. Dans un moule généreusement beurré, nous étalons la compote de nèfles, puis couvrons de blanc d'œuf monté en neige. Il faut pas du tout sucrer le blanc d'œuf. Non, non, non. Ah bon? En fait, c'est une sorte de compote meringuée. C'est ça. Alors, on met ça à cuire combien de temps? 10 minutes. À quelle température? 150. D'accord. Ah oui, c'est pas beaucoup, finalement. Non, non, non. Juste pour que le blanc d'œuf ça dort. Quelle journée! En attendant, nous nous offrons une pause café dans le salon, aux côtés de Charles. Je vais chercher... Comment tu dis? Spéculoos? Spéculoos. Spéculoos. On discute, on discute. Et du coup, j'ai pas noté la recette des nèfles meringués. Pour magnifier les nèfles comme nénettes, nous devons commencer par laisser mûrir 1,5 kg de nèfles, puis ajouterons 3 cuillerées à soupe de miel, 1 demi-litre de vin rouge, une demi-cuillère à café de gingembre frais râpé ou en poudre et 6 blancs d'œufs. Ben voilà qui est simple. Parfait. Alors il y a des néfliers, mais il y a aussi des cerisiers dans le village, parce que si tu me dis que c'est la capitale du kirsch. 3 à 4 000 cerisiers. Ah oui, tant que ça. Oui. Mais alors, en fait, l'eau de vie est fabriquée ici, le kirsch est fabriqué dans le village. Oui, et puis bon, c'était un puissant moyen de monter en grade à la mine. Ah tout bon le monde travaillait à la mine, et pour monter en grade, paraît-il, les gens de Guertin étaient avantagés parce qu'ils ramenaient du kirsch. Mais non. Donc ça ils leur donnait plus facilement. Voilà, ah, c'est drôle. Enfin, aux chefs d'équipe, aux ingénieurs, quoi. Et donc, grâce à ça, ça mettait de l'huile dans les rouages et ça faisait monter. Il y avait une petite promotion au bout. Eh ben, quoi. C'est du joli. Je vous félicite pas. La corruption par l'alcool. La corruption. Nous qui voulions transmettre de belles valeurs. Ça a toujours existé. Je laisse mes amis le temps d'un passage éclair dans un site au paysage lunaire et les retrouverai juste après pour notre grand repas. Nous pourrons alors vérifier si les nèfles ont bien perdu leur acidité. C'est à Roncourt que se trouve ce monde à part, peu visité et pourtant au cœur de toutes les attentions. Une carrière à ciel ouvert, la dernière à extraire la pierre de taille dite de Jaumont. C'est Jérôme Demarteau qui supervise quotidiennement l'extraction de la roche et sa transformation. On voit vraiment que je travaille vraiment les premiers mètres, les trois premiers mètres. On voit d'ailleurs le front est coupé. Comme je disais, on protège le matériau qui est naturel, hein, qui est la pierre de taille. Et on voit que derrière, effectivement, que tout est très fracturé. Donc pour moi, pas valorisable en tant que pierre de taille. Par contre, on fait du petit caillou, il n'y a pas de problème. Une pierre à la couleur si caractéristique qui ornemente de nombreux édifices, comme par exemple la cathédrale Saint-Étienne de Metz. C'était la mer, là. On était dans la mer. Il y a eu un dépôt de calcaire qui s'est fait en même temps qu'un léger dépôt d'oxyde de fer, naturellement, et ça a donné une couleur qui est jaune. La pierre de taille extraite, la roche continue à être travaillée jusqu'à 45 mètres de profondeur pour d'autres utilisations, le béton ou les voiries, par exemple, avec cette fois-ci une technique bien plus radicale. Bon. C'est à ce moment qu'intervient le dynamiteur, qui, après avoir foré le terrain et installé ses explosifs, lance un puissant tir qui permet d'abattre de considérables masses de roches. C'est maintenant du côté de l'atelier de pierre de taille que nous suivons Jérôme. Là, on fabrique à partir d'un bloc brut, on fabrique des tranches. L'abrasif utilisé est du diamant, l'eau étant là pour améliorer la coupe, mais également pour que le diamant ne chauffe pas. Là, on arrive, on a des tailleurs de pierre qui vont tailler à partir des parpaings qu'on a coupés là-bas, des couvertines, des jambages. Là, on a beaucoup de pierre pour une petite mairie, très joli petit village, pas très loin, Fèves. La taille de pierre est un métier du bâtiment. Donc on va faire de la moulure, on va faire des choses. On n'est pas dans la sculpture, on est vraiment dans la moulure. Il est temps pour nous de quitter Roncourt et sa carrière pour rejoindre un cadre exceptionnel dans lequel j'ai pu organiser mon banquet. Le château de Lagrange à Manom. Je dois y retrouver Marie-François, le propriétaire des lieux. Et pour l'anecdote, il se trouve justement qu'une partie de l'édifice a été réalisée avec des pierres de Jaumont. Bonjour.
Merci de m'accueillir. Ravi de vous accueillir à la Grange, bienvenue. La Grange, oui, on peut appeler ça comme ça. Ça s'appelle la Grange, c'est le nom de la maison. C'est une jolie grange, c'est vrai. Donc la Grange, alors c'est un magnifique château dont l'histoire remonte à quelle époque alors? Oh, ça remonte au XIIe siècle, les premiers, puisqu'il y avait ici un château depuis le 1100 à peu près. Et il est dans la famille depuis très longtemps, paraît-il. Il est dans la famille depuis 1750. Exactement. Ah oui, c'est un record. Oh, non, plus de 250 ans, ah, bah, quand même. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et d'ailleurs, lorsque l'on visite le château, on peut constater que le mobilier fait honneur aux ancêtres. Il date du XVIIIe siècle, des meubles pour la plupart de famille. Chaque pièce a son histoire, comme l'ancienne chapelle, aujourd'hui transformée en bibliothèque. Oh, dis donc, quelle jolie salle à manger. Oh, et voilà. Le poêle est impressionnant. Alors ce poêle a été fait pour le marquis de Fouquet, donc qui est l'aïeul qui avait acheté la grange en 1750. Alors ce poêle a été cassé deux fois. Il a été cassé une fois pendant la Révolution, vous voyez, on en voit les cicatrices un peu partout. Et une deuxième fois, il a pas été vraiment cassé, il a été coupé en morceaux, coupé en tranches. Pourquoi? Par des voleurs? Parce que, tout le monde le sait, nous étions ici annexés entre 1870 et 1915. Hein, par les Allemands? Par les Allemands. Mon grand-père était officier français, il était Saint-Cyrien, officier français, il ne pouvait pas revenir ici. Donc en 1912, il a été contraint de vendre la maison et il a emmené le poêle avec lui. Et pour l'emmener, il l'a découpé et il l'a emmené avec lui. Et quand il a racheté la maison en 1919, il a fait réinstaller le poêle là où il était. À la fin de la guerre, vous aimez les couleurs, hein? Il y a de la fantaisie. Ah oui, oui, c'est... Ce sont les anciennes cuisines? Exactement. Ça, c'est la pièce dans laquelle nous allons déjeuner. Donc, vous voyez là, l'ancienne cheminée. Et puis, donc, toutes les pierres apparentes, là, c'est de la pierre de Jaume. Eh bien, on est bien reçus, hein. Voilà. Magnifique endroit. Eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre le couvert. Alors, on est 12. 12. Hop. Bon, on va pouvoir se desserrer un peu, quand même. Ouais. À peine terminons-nous de dresser notre tablée de châtelain que nos premiers invités nous rejoignent. Merci, salut Paulette. Oh là là, magnifique, il y a du renfort. Il y en a deux. Et bon, c'est un petit gentil. Dessert. Salut Laurence. Un petit dessert? Oui, c'est une soupe froide de quiche aux épices douces. C'est très froid. Donc cuit dans du vin, c'est ça? Comme le vin chaud. Marie-Annick, la petite fille de Paulette, nous a concocté elle aussi une surprise. Rapidement, Nénette et Charles arrivent avec leur nef le meringué. Bonjour Charles. J'ai enlevé mon chapeau. Hein. Bah non, dis donc, moi, je vais te l'enlever. Ça se fait? Ok. Tiens, je vais te décharger aussi. Et alors ça, ce sera pour le dessert. Romaine, l'experte en tourte lorraine, les suit de près, accompagnée de son mari Vincent. Le mari. Voilà. Vincent, bienvenue Vincent. Installez-vous. Frédéric, l'organiste, Victor et Freddy, les facteurs d'orgue, font aussi leur entrée au château. Ça va? Oui, très bien, merci. Il manque votre épouse quand même. Voilà. Bon. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, Rosane. Très contente d'être là. Hop. Ah ouais, vas-y, vite. Hop, voilà. Ah ben oui, on revient au même problème. Et ben voilà, ben ça y est, tout le monde est servi. Et alors, le fromage de tête, c'est vraiment lequel ou c'est vraiment deux Paulettes? Tout le monde. Recette, je dirais que c'est de moi, mais autrement, tout le monde en fait. Oui, on en fait assez fréquemment ici. Bah, moi, je me souviens de mon grand-père, je suis vraiment ravie de manger ça. Il est bon, hein? Oui. Ouais, mais c'est vrai, hein? C'est très bon. Enfin, il y a quand même une chose que je retiens, c'est que j'ai découvert pas mal de recettes de spécialité lorraine, mais nulle part on ne m'a parlé de quiche lorraine. Mais alors, on est bien d'accord que dans la vraie quiche lorraine, c'est comme le gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage. Il y a les deux écoles. On met tous du lard fumé à la base, ça, la crème sûr. Fraîche, des œufs. Mais il y a bien les deux écoles, avec gruyère et ça. Mais assez parlé quiche, parlons tourte. Attention, attention. La tourte romaine de Lorraine? Non, c'est pas tout à fait ça. Moi, je sens un petit peu des courants d'air. Est-ce que votre château est hanté? Non, je ne crois pas qu'il soit hanté. On n'a jamais trouvé de fantôme, en tout cas. Enfin, vous m'avez dit que vous faisiez la soirée des fantômes. Ah, oui. Alors, vous voyez. Mais c'est des gentils fantômes. J'ai appris que la ville de Metz était une ville d'art et d'histoire, c'est ça?
Oui, bah, la ville de Metz a un patrimoine qui est très étendu dans l'histoire, allant du Moyen-Âge finalement jusqu'à la période contemporaine. Et aujourd'hui, quand on la visite, on se rend compte qu'en fait, elle est très verdoyante, qu'elle est également bien disposée sur un petit éperon rocheux comme ça. Elle est bien délimitée par les cours d'eau, par la Moselle. Un musée à ciel ouvert. Mais pourquoi j'habite ailleurs qu'à Metz? Mais je me le demande. Ce n'est pas moi qui pose la question. Hein. Parce qu'on est toujours à nos amis parisiens. En goûtant la tour Corène de Romaine, voilà. Je me le demande moi aussi. Hein. Franchement, c'est délicieux. Elle est presque encore meilleure qu'hier. Bravo. Merci beaucoup. Fameux. Ah ouais. Il y a de la technique. La Lorraine, régulièrement annexée par l'Allemagne, est une terre au confluent de nombreuses influences. C'est d'ailleurs la seule région française frontalière avec trois pays, la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. Vous avez digéré tout ça pour ensuite restituer une culture propre. Et dans certains secteurs, il y avait sur la même famille, deux frères pouvaient aller à deux écoles différentes. Ça a été le cas dans ma famille maternelle, c'est-à-dire le grand frère de mon grand-père était allé à l'école allemande, ah oui. Alors que mon grand-père était allé à l'école française, et il n'avait qu'une dizaine d'années d'écart. Mais alors, à la maison, on parlait quoi? On parlait l'allemand, enfin le Mosellan. Oui, c'est ça, finalement, qui était un peu un mélange des deux, voilà. On va dire. Autant dire que les Mosellans ne sont pas du tout desserts. Allez, sans plaisanter, c'est une fois encore un festival de douceur qui nous est servi, avec la soupe de quetsch et les spritz, biscuits traditionnels confectionnés par Laurence, des œufs à la neige, la tarte au fromage de Romaine, les guimauves de Marie-Annick, les nèfles meringuées, bien sûr, de Nénette, et l'eau de vie qui trouve toujours sa place à table. Alors, il faut que vous sachiez quand même que nous avons préparé avec Nénette et sous l'œil très attentif de Charles un dessert qui va vous rappeler probablement, aux plus anciens d'entre vous, des souvenirs. Donc ce sont des nèfles. C'est ça. Des nèfles meringués, entourés d'une myriade de desserts, un truc de fou. Alors tu sais que c'est très drôle ton dessert, ça, parce que... c'est très bon, mais c'est très étonnant parce que... On a un mélange de saveurs et de textures. À la fois, tu as une texture de marron, un peu de châtaigne, parce que c'est presque une texture de féculent. C'est dense. En même temps, tu as le goût d'un agrume, parce que c'est très acide. Mais voilà, et un peu d'un fruit rouge aussi, tu as ce côté très fruité. Avec les épices, c'est très étonnant. Mais c'est bon, hein? Mais ça ressemble pas du tout au goût nature. Faut manger nature. Ben voilà, on va quitter le pays des orgues, le pays des mirabelles, des douceurs, des desserts, des eaux de vie, mais surtout de la vie d'ailleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Moselle et en Lorraine, il n'y a pas que de la quiche, il y a énormément de joie de vivre, il y a énormément de générosité, il y a une grande variété de plats, il y a beaucoup de traditions à découvrir, de très beaux monuments. Bref, si je ne vous ai pas donné envie de venir, ben alors là, je rends mon tablier. Allez, salut, à la prochaine. Non, t'as attaqué quand même les yeux à la neige. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Attends, on va la refaire. Ah, les titines. Ah, les titines. Le cul de chien et le cul de singe. Et le cul de singe, oui. Et ça, c'est et on a fait tout ça dans un cul de poule. Voilà. On est très cul en Lorraine. On est très cul. Tête. Ouais, vas-y, Micheline, tu les as eu. Nénette, ça vient d'où? Mon grand-père avait une vache qui s'appelait Nénette. Effectivement, comme ça, moi, c'est clair.